Donc le déroulement, il y a le pole dance de Mairie qui vont commencer l'introduction. Après ça, on rentre avec la mairie et tout le staff pour présenter le gala. Le gala commence par la boxe éducative. Il y a 10 combats. Il y aura 3 combats professionnels. Il y aura Maëlys Kangloff. Il y aura Mike Gimich. Et il y aura Mamadou Cham. Alors, le dernier combat qu'on a fait, on devait faire au mois de février à Nice. Et ensuite, on devait faire le nôtre à Aix-les-Bains le 28 mars. Et stop. Et nous, on a repris tous les entraînements le 11 mai. Mais attention, le 11 mai, c'était avec 9 personnes. Pareil, on désinfecte. Ça, on sait faire à force. Voilà. On désinfecte, on prend la température. Si quelqu'un a la grippe ou a trop de température, il rentre chez lui. Il rentre au casino, il se désinfecte par Covid. Il rentre après à la salle Victoria, rebelote. Alors, bon, il faut toujours des masques, hein, ça tout le monde le sait. Hein. Les gens rentrent, ils ont le masque et ils gardent le masque. Les boxeurs avec les entraîneurs rentrent avec les masques et la boxeuse ou le boxeur pose le masque. Tous les boxeurs et les entraîneurs seront testés. Alors c'était... Bon, pour moi, c'était pas trop compliqué parce que j'ai de la chance d'avoir un extérieur. J'ai une grande terrasse, donc j'ai pu m'entraîner, faire de la corde à sauter, faire un peu de shadow boxing, c'est-à-dire de la boxe dans le vide. Donc je me suis entraîné, voilà, 2 heures par jour. Et en même temps, je travaillais parce que je travaille en Suisse en fait, et du coup là-bas, c'était pas confiné. Donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, boulot et sport en même temps. Bah, prochain combat le 3 octobre à Aix-les-Bains, du coup au Casino Grand Cercle. Ça faisait longtemps, du coup, bah depuis Nice, et puis le 25 février, du coup là, pas de ring. Donc ça manquait un peu. Là, on a repris les mises de gants à l'entraînement. Donc franchement, ça fait du bien. Ouais. Alors, je le connais pas. Je l'ai vu son nom à l'instant, là, aujourd'hui. Là, j'ai découvert son nom sur le programme. Je le connais pas. Et après, j'irai pas faire de recherche parce que ça m'intéresse pas. Je préfère le voir en direct. Moi, je m'entraîne moi. Après, je suis prêt ou pas. Et puis voilà, on verra. Ça sera que sur le ring.